Hey, salut tout le monde, c'est Psycho, nous voici dans le 11e épisode de Dark Souls, il me semble. 11e ou 10e, ça lag un petit peu. C'est parce que je viens de me déconnecter du mode en ligne, je ne sais pas. Ouais, ça lag un petit peu. Ouais, donc je me suis déconnecté du mode en ligne parce que bon. Comme je suis humain, j'ai pas envie de me faire envahir par des autres joueurs. Donc là, on va aller voir ce qui se trouve là-bas, dans la petite grotte. Et puis après, on ira explorer tous les échafaudages qu'on avait vus. Donc on va sûrement trouver plein d'objets intéressants. Hop. Je vais essayer de la faire plus courte, cette vidéo. Je vais essayer que ça tienne une demi-heure. Ça sera un peu plus excusez-moi, mais ouais, enfin ça fait pas mal de vidéos que je fais de plus de 50 minutes, une heure, et bon, je trouve ça un peu long pour vous, donc je vais essayer de voilà de faire pour que ça tienne une heure. Là je vais bien faire le rase moquette, hein. J'ai tout rasé pour pas les aggro, parce que ceux-là ils sont chiants. Hop. Ah, merde. Ah voilà, chercher la touche pour revenir à la combustion. Parce que j'ai joué avec un de mes autres personnages uniquement corps à corps. C'est chaud. Domaine de qui est là. D'accord, bon, c'est des croyants comme ceux qu'on avait rencontrés vers les ruines de la Nouvelle Orno. D'accord, donc ouais, là c'est sûr, voilà, on a une marque d'invocation pour invoquer un chevalier plus un brouillard. C'est le. C'est obligé qu'il y ait un boss derrière. C'est pour changer ça. Donc du coup c'est R, voilà c'est R. Ouais, je garde des lampes de feu au cas où. Et puis on va mieux voir contre quoi j'ai tombé. Oh putain, une araignée. Intéressant. Tu veux pas enlever tes cheveux là? Ouais, comme ça. Ah, pas mal, pas mal. Mais bon. Voilà, on va éviter de trop dans le délire. Bon, un monstre entièrement de feu qui balance du feu. S'il est sensible au feu, c'est qu'il y a un problème. Ouais, ouais, ok, il est insensible. Bon. Et moi, je prends super cher. J'ai envie de dire... D'accord, t'es là. C'est très bien, tu l'attaques. J'ai pas bouclier anti-feu. Ah putain, je lag.
Voilà, j'espère que il y aura pas de soucis au niveau de la vidéo. Oh là là. Wow. Oh mon dieu. Oh mais 20 000... Oh merde. Ah j'avais pas vu que j'avais 20 000 dames. Ah ça c'est moche. Ah c'est moche. Ah c'est moche de mourir comme ça. Et dire que je pensais... à chaque fois je pense faire de plus en plus attention mais non. Rapidement, rapidement, rapidement. Alors que je récupère. Ah mais c'est bon, j'avais déjà. Non bah non, non, j'avoue, j'avais une humanité effectivement, mais bon, je le bouillis. Parce que là du coup, il va falloir que je redevienne humain. Humanité. Ouais, elle avait pas l'air très dure en soi. Après, faut que je fasse gaffe à son explosion. Ça m'a totalement. Oh. J'ai cru qu'on allait... qu'il y avait un petit bug à la jambe. Dommage. Ça aurait pu être drôle. Ouais, je suis à 72 de feu, quoi. Ouais, bon, ça en même temps, c'est un bouclier énorme qui fait 38. Voilà, je ne pense pas l'avoir. Cuisson du dragon, non. Pas de la merde. Ça serait celui-là, ça serait bien, mais bon. Un peu trop. Par contre, je comprends pas pourquoi ça laguait comme ça. Et ça continue encore de laguer. Non, franchement, j'espère que ça sera pas trop moche à la vidéo. Parce que si après je dois recommencer, ben je pourrais pas. Et là, on va courir directement. Putain, ça déjà fait déjà un peu plus de 5 minutes. Je m'en rends pas compte. Non, il fait chier, s'il te plaît. Voilà. En espérant qu'il y ait de nouveau l'invocation. Hein, parce que bon, sinon. Ici, dans la merde. On va dire ça comme ça. Ouais, bon, après, techniquement, vu que. Bon, ok, je l'ai invoqué, mais vu que l'invocation n'est pas morte, je devrais pouvoir la réinvoquer. Voilà. Mais ouais, faut que je me mette derrière, puis quand je vois qu'il commence à se soulever, hop, je me casse. Et surtout, toujours rester avec un peu plus de la moitié de ma vie. Ok, t'es prête? Ou t'es prêt, je sais pas. C'est bizarre. Ah, j'ai toujours ce problème de lag. Pourquoi tu me fixes? Regarde le trait d'attaque. D'ailleurs, oh si ça va, il fait quand même quelques dégâts. C'est. Je dis pas non. Ça va faire comme être le dragon meilleur, je suis sûr. Des attaques monstrueuses, mais. En soi, pas très puissant. Par contre, là, les facs de lave. Moi, je vais me casser ça, ouais, voilà, suis-moi. Suis-moi, vas-y, vas-y. Wow. D'accord, une lance de feu carrément.
Allez, go, go. Oh. Go, go. Ah, ça sent mauvais. D'accord, donc en fait l'explosion c'est quand elle se rapproche de son araignée, pour l'embrasser ou je ne sais quoi, elle fait son explosion. Elle a quand même une bonne portée, ouais. Puis là après avec sa lance. Bon ça va, je l'ai pas mal entamé déjà. Mais ça en plus, comme c'est des attaques circulaires, je peux facilement l'esquiver. Ah! Ah, si! Ah non, c'est juste d'accord, c'est une attaque spéciale qu'il doit faire encore encore. Là par contre, c'est l'explosion. Non, vas-y, viens, viens. Il y a un peu trop de lave. Wouah! Ah, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Ah, je suis con par contre. Oh. Oula! Ah, allez, cours, cours, cours! Elle va exploser. J'ai l'impression qu'elle s'inflige des dégâts. Ou alors ça veut dire que c'est l'autre qui lui a fait ça comme dégâts. Mais dans ce cas, oh. Non, hein. C'est pas merdique, hein. Parce qu'il lui a fait 98 de dégâts, il me semble. Ah. Allez. Hop. Et voilà. Ouh. Ben voilà. Humanité jumelle. Pas d'armes. Bon. Bon ça va, 20 000 âmes. Je vérifie juste si j'avais pas... si me l'avait pas mis avec les potions et tout, sinon ça m'aurait... Je l'aurais gaspillé par inadvertance. Bon ben on va aller voir là-bas. Espérons que je sais pas, il y a un cadeau, quelque chose. En même temps, pour la gargouille, fallait que je lui coupe la queue. Puis là, bon, une araignée, ça a pas de queue. Ah, ouais, ça veut dire qu'on peut. Ça sera une zone. Parce que ça peut aussi être pas mal. Ah, bah. D'accord, chercher la cloche au-dessus. Allez hop, on va tirer le levier. Du coup, oui, la porte va s'ouvrir. Ah, c'est pas la grande porte en bas. C'est là où il y avait le cheval d'Union.
D'accord. Ça veut dire qu'il y a encore un truc absolument immense derrière là. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. On descend droit. C'est bien rouge. Ah, d'accord. C'est quoi ce truc? Putain, non, je suis sûr que c'est encore un boss absolument énorme. Laisse tomber. Hein. Ah, celle, ça suffira. Non, puis techniquement, si les deux cloches m'ont permis d'ouvrir la porte, c'est pas pour aller par ici. Je pense pas. Ouf! D'accord. Les murs invisibles. Ça faudra que je fasse gaffe, il y en a partout. Oh dear. Ah. What have we here? Are you a new servant? Ouais, je suis du personnel. But you have no eggs. Ah, no matter. Go along and have audience with our fair lady. I pray that you will mind your manners. Bien sûr que j'ai une certaine éducation. Ah, ça c'est con par contre. Je croyais qu'il était éteint en fait. Et je voulais l'embraser. Parce que du coup là je voulais utiliser un autre de retour pour venir. Du coup ça fait... Bon ça va, c'est grave, ça va pas faire pop des beaucoup de monstres mais... C'est le taper NG, je pense. Ouais. Bon. C'est la Feldistus. Parler. Prêter serment. Non. Renoncer à ce serment et celui à celui-ci. En même temps, j'en avais pas avant, donc... Bon, bah merci, j'ai envie de dire, hein. À la prochaine. Parce que du coup, voilà, bah, j'ai remonté, j'ai eu un... Grande boule de feu du chaos, donc c'est à vous dire que c'est... C'est ça. Mais du chaos, donc ça veut dire que ça va être un truc ultra puissant. Oh, ça va, ouais. Même si ça se trouve, elle va me permettre. Je sais pas, parce que les serments, je sais pas comment encore comment ça fonctionne. Donc, je sais pas, ça va peut-être me servir à augmenter mes sorts. Mais en même temps, non, parce que mes sorts de pyromancie, pour les augmenter, c'était celle qu'on avait rencontrée là. Je sais même plus de son nom. Puis qui nous proposait d'acheter la gomme de sort. Donc, je vais peut-être utiliser mes 40 000 âmes pour soit pour améliorer mon grand pyromancien, soit pour du coup ils ont l'air d'appartenir au serment, je vais pas les attaquer. Donc soit je vais acheter des sorts, soit je vais. Non, de toute façon je voudrais que je les achète tous, hein, quitte à faire autant tous les prendre. Mais après ça dépend combien coûte l'amélioration, je vais voir. Oh purée, je comprends pas. Je suis sûr que là, les FPS, ils doivent tourner à 15, 10-15, alors que normalement, ça... Alors que normalement, ça devrait tourner à 30, quoi. Oui, 30, c'est le maximum sur ce jeu-là. Vive l'optimisation. Ah, mais par contre, c'est ça, c'est cool, j'en ai gagné 10.
Si je me souviens bien. Voilà. Ah, truth be told. Toujours elle me croit morte. Alors, modifier. Femme du parent aussi. 25 000. Info. Ouais. Ouais, c'est ça, j'ai un dédicat de feu et règle magique. Ça me coûte 25 000. Et sinon. Arbre de feu, grande boule de feu. Putain, ça coûte encore un. D'accord, donc non, c'est même pas l'orbe de feu, c'est grande boule de feu du chaos. D'accord. Bah, je pense, ouais. Parce qu'elle vend rien d'autre. Donc, ce que je vais faire pour éviter les vermes, 40 000 âmes. Modifier équipement. Flamme de pyromancie plus 15 pour tenir. Flamme de pyromancie. Voilà, puis après, il me faut 27 000. Donc, ça faudra que je vois plus tard. Bah, pour revenir ici, en ayant farmé. Donc, je vais me prendre boule de feu, ça coûte que dalle. Combustion, ça coûte que dalle. Orbe de feu, ça coûte quand même. Parce que ça, 20 000, 30 000, 10 000. C'est énorme. Du coup, il y a juste la grande combustion. Ah, 5 000. Voilà. Comme ça, il me reste 2 000. Now, go. Whatever you do, that's my time spent on you. Allez, hop, on va revenir vite fait au camp et après on ira monter tous ces échafaudages. Après, faudra peut-être que j'augmente aussi ma volonté pour avoir encore plus de sorts. Alors, place et sort, Duke. Donc, voyons voir, boule de feu, ça prend deux cases. Ah, et donc c'est vraiment un truc énorme, quoi. Ah, donc si je veux... Ah, ok, ça c'est cool, si je veux, je peux en avoir plusieurs, de même sorte. Donc, grande boule de feu du chaos, combustion, grande combustion, nuage empoisonné. Ouais, du coup, j'ai que ça. Je vais voir la grande combustion, ce que ça fait. Enfin, si elle met plus de temps à se mettre. Voilà. Déjà, elle a moins d'utilisation, ce qui paraît normal. Ensuite, alors, donc ça, la combustion. Grande combustion. Non, c'est la boule de feu. Ça va, c'est à la même durée en gros. Par contre, j'ai moins d'utilisation. J'ai moins d'utilisation. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a écrit les dégâts que ça fait? Que ces utilisations déjà je vais mettre l'orbe de feu hein. Ensuite je sais pas si, parce que sinon ça me fait, parce qu'avant ça me fait, c'était quand même 16 utilisations, donc 16 c'est pas mal pratique. Après je sais pas, là comme ça va être des petits mobs, ouais je vais prendre la petite, parce que au pire j'ai la j'ai les orbes, enfin j'ai les orbes de feu. Ah, c'est bien aussi, je sais pas si vous avez vu, enfin vous avez peut-être pas eu le temps de voir, c'est le dessin, il a changé. La boule de feu est beaucoup plus grande. Ce qui indique une source de puissance encore plus grande. Par contre, ça va faire. Ouais, on approche bientôt de la demi-heure, donc je vais me dépêcher en espérant que ça soit pas avant. J'aimerais vraiment visiter. Enfin, ma vie. Visiter les effets d'échafaudage, voir si la zone est finie. Enfin, oui, je pense que la zone est finie parce que voilà, j'ai
J'ai débloqué les portes. Ça veut dire que la suite est pas là. Donc je vais nettoyer les. Voilà. Bon. Alors. Les dégâts de poison sont vraiment ridicules. Je vais voir si j'ai. Non, j'ai pas de touffe blanche. Donc faudra que je fasse gaffe. Allez, viens. Vraiment chiant les insectes. Hop. J'ai bien fait de prendre plusieurs flèches. Parce que là il y en a pas mal, j'aimerais bien ne pas prendre de risque. Oh, il y a encore un moustique. Voilà, à la horizontale. Purée, non mais il y en a vraiment partout là, stop! Non mais ils sont sérieux. Comment il s'est cassé d'ailleurs? Bon. La voie a l'air d'être libre. Non, t'es sérieux. Oh putain. Là, va vraiment falloir que je fasse gaffe. Il y a, à mon avis, je vais encore rencontrer des mecs qui nous font des gros empoisonnements. Ah, voilà. Et bien sûr, je vais me faire bip parce que c'est pas. Ah. Merci, mais moi, ce qu'il me faudrait, c'est plus de l'antitoxine. Bon, bah, comme ils réapparaissent pas, je vais faire direct. Je vais revenir vite fait au camp parce que bon, voilà quoi, là les toxines, j'ai que des violets, je peux rien faire quoi. Puis ça serait vraiment trop casse-couille de continuer sans quoi. Voilà, allez hop. Je vais speeder. Je suis même pas sûr de tous me les refaire en fait. Parce qu'il y a juste, il y en a qu'un qui gêne le passage, donc au pire. Chose dans le tas. Si je meurs, j'arrêterai. Et je ferai la suite dans une prochaine vidéo. Voilà. C'est la meilleure méthode, vous croyez pas? Voilà, et puis j'ai bien fait dépenser mes âmes aussi, hein, parce que je suis mort avec... Non, tu dégages.
Bon, là, y'a rien. Ah, salut, ça va? Sympa, d'attendre juste la sortie. Je sais pas pourquoi j'ai attendu. Ah si, ouais, je m'étais dit que comme il y avait le pouls qui s'est cassé, peut-être qu'il y avait quelque chose, mais en fait non, il y avait rien. Donc qui me tire dessus? Qui me tire dessus? Donc, petit bug avec le brouillard. Ah oui, ah oui. Et là, je trouve que c'est génial de faire bugger les gens ici. Enfin, voilà. Genre là, c'est pas comme si j'avais failli tomber. Non, 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 non. Juste à peine. Des zones vachement dangereuses, faire chier les gens. Hop, petite parade. C'est plus pratique de voir. Ah non, ça je l'ai. Un peu trop tard, qu'il y a certaines attaques qui peuvent pas s'esquiver, genre là le enfin, je pense qu'il est plus m'écrasé par terre donc. Ah, c'est intéressant. Allez, viens, viens, horrible chose, si je peux même taper chose. Ok, c'est quoi ce truc? Oui, oui, ce truc. Il y a trop d'échelles. Oh, frère, je sens que ça va être un vrai labyrinthe. D'accord, je vais encore me faire bip. D'accord, donc en fait ça peut continuer là-bas. Il ouais, y a pas mal de trucs à récupérer aussi. Non, là on va pas sauter. On va tirer, remonte. Toi aussi, sers-toi de cadavre pour attaquer les gens. C'est écologique. Non mais le mec il me monte dessus quoi, carrément. Genre aucun respect quoi. Tiens, dégage. This is Sparta. Voilà. D'accord, y'a rien d'autre. Voilà. Passer par là sans éviter. Enfin, sans éviter de mourir, si, hein, en évitant de mourir. Ouais, je préférerais éviter de ne pas mourir. Ouais. Bien. Bien. Bien, suis-moi. Suis-moi, je vais pas. Non, mais. Non, mais le mec il veut vraiment se battre sur une passerelle de 2 cm, sachant que. Voilà. T'as plus de chances de tomber que moi, mec. Oh, la sécurité avant tout, hein. Bon, j'ai pas envie de sauter. Ah bah. Bouffe-moi ça. Ah, intéressant, on peut pas voir ça. Mais... Bon bah, attention, balle perdue.
puissance intérieure. Je suis bête, je peux pas aller voir là-dedans. Faut que j'aille là. Hop, sortilège. Le dernier, puissance intérieure. Augmente force et endurance avec perte de PV. Ouais. Effectivement, c'est du feu intérieur. On se consume pour devenir plus puissant. Mais bon, non, bah, ça ne m'arrange pas. Un noble chevalier. Encore une échelle. Je faisais juste attention à ce qu'il y ait personne derrière moi. On sait jamais. Enfin, personne en dessous. Parce qu'à l'arrivée, c'est un peu con. Ah. Vas-y, viens. Voilà. Canon là. Ouh, bouclier de lag. C'est intéressant, mais je vais pas le regarder ici. Parce que si je me prends une flèche ou autre chose, ça serait bête de mourir bêtement. Effectivement, c'est le cas de le dire. Alors, bouclier de lag. 70 d'équilibre. Ah, et comparé au 56-55, ouais, c'est vraiment énorme. Bon, oui, non, mais celui-là, 38 de force, hein. Voilà. Ah, purée, il a 20. Bouclier gel. Alors, déjà, c'est un grand bouclier, comparé au bouclier normaux, donc il protège entièrement le corps. Bon, après, ça, c'est dommage, il a 95 de physique. Et même si je l'améliore, ça va que améliorer l'équilibre, ça va pas améliorer les résistances. Ouais, ça pourrait être un bon bouclier dans certains cas. Je pense que contre les monstres qui tapent vraiment fort, qui font reculer, des choses comme ça, ça peut être vraiment pratique. Hop. C'est pas ce que je voulais faire, hein, pour la combustion. Alors, hop. Je me suis dit que c'était une bonne plateforme, mais non, maintenant. Alors. Ah, là, c'était. Mais de ma part, j'ai pas attendu qu'il attaque. Là, il y a rien. Non mais où ? Oh, on pousse pas les gens, hein ? Ouais, y a pas mal de trucs. Mmh. Oh, cool, y a un feu. Mais bon, si c'est pour tous les faire respawn, non merci. Non, là c'est juste un mur. Ça relag encore. Hop. Intéressant. Mais dis-moi, t'es un peu con? Ah oui, c'est ça. C'est ça. T'es un peu con. Ah. Peut-être qu'en sautant. Si j'étais suicidaire. En même temps, il doit y avoir un truc. Hein. J'aime pas quand. Allez, ouais, c'est presque.
Oui, restez là, parfait. Non. Hop, si. Merci bien. Bon, on va faire attention. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Ça a l'air encore d'être une zone pas possible. On marche droit. J'ai dit... Ah non, c'est pas ici, j'allais faire une roulade dans le vide. Est-ce qu'une roulade suffirait? Oui, ça c'est bijou. Oui, je vérifie. Ah tiens, il y a encore un truc là. Ab de noble chevalier. Masque de noble chevalier. Il y avait un petit truc en bas aussi. Voilà. Noble chevalier. Alors. Non, non, non. C'est... Je dis... Mais je fais comment pour... je fais comment pour venir? Faut que je saute. Ils veulent vraiment que je... Bon, ça va. Je suis un warrior. Un vrai de vrai. Ah bah... Soit là-bas il y a une échelle, soit alors il fallait là-haut, il faut sauter. Et je vais prendre l'option sauter, c'est plus drôle. Sinon... Oui, ça c'est magnifique. De l'ombre, de l'ombre, de l'ombre. Ouais d'accord, en gros c'est un déguisement de ninja. Mais bon, comparé au niveau armure. Bon, je veux plus en savoir. Oui, allez-y, allez-y, allez-y. En fait, ça, c'est des monstres qui meurent à proximité. Voilà. Non, je vais choisir. Là aussi, plus grand. Ah là là. Je vais les tuer, je vais les tuer. Allez. Yata! Comment ça va? Oh! Putain de katana! Ça c'est cool! Ah ça c'est cool! Oh yes! Bon, ça c'est moins cool mais parce que du coup je suis obligé. Oh! Katana! Yes! Yes! Bon, c'est bon que ça soit pas de la merde. Ah, il faut 22 dexté. Par contre... on remet la souris... Voilà. Là. C'est un bonus de B à la dextérité. C'est-à-dire que plus on a dexté, plus ça augmente vraiment les dégâts. Donc ça c'est cool. Et aussi, tout juste en bas, ça a 300 de dégâts de saignement. Donc en gros, je tape, le saignement s'accumule. Et quand ça arrive... Bam ! Ça fait mal. Ça fait mal. Bon après c'est clair... la piscine en tranchante. Je suppose que ça doit trancher. Bon, après, oui, c'est sûr, moi, comparé à ça,
la clé mort que je peux déjà porter. Bon, c'est après, je sais pas, là, faudrait que je voie les mouvements. Oui, je sais. Ah, mais attends, comment je vais faire? Ah si, je peux quand même. Oh mon dieu, c'est bon! Oui, oui, je suis un fanatique. Hein. Oh! Oh, cette attaque! Oh, purée. Ça, c'est une technique spéciale. J'arrive même plus à m'en rappeler. C'est, en gros, on range le sabre dans son fourreau et on le dégaine super vite. C'est une attaque, voilà, qui... Enfin, on le dégaine super vite et en même temps, on fait un bond en avant et ça fait... Ça fait mal, mais c'est génial! C'est génial. Je vais voir des mains. Ouais, c'est les mêmes. Ah, beaucoup plus lent par contre, à deux mains. Bon, ce qui est logique, hein, dégainer un katana à deux mains, c'est un peu plus difficile qu'à une main. Oh, et puis je vais voir l'attaque sauter. Oh, c'est bon, c'est bon. Oh, non, j'aurais dû garder mes âmes. Excusez-moi. Oh là là, faudrait que je me fasse un perso force. Juste pour porter ce genre d'âme, quoi. Ben, faudrait que j'aille farmer en fait. Donc je pense qu'entre ici et la prochaine vidéo, j'irai. J'arrive pas à voir. Oh bah si. Je pense qu'entre ici et la prochaine vidéo, j'irai farmer, histoire de pouvoir augmenter mon katana. Enfin, de pouvoir, ben, oui, déjà augmenter mes stats, pour pouvoir porter mon katana. Donc voilà, donc j'irai farmer pour augmenter mes stats, pour pouvoir porter mon katana. Après aussi pour augmenter mon katana, parce que là vous voyez il fait 88 de dégâts au niveau 0, on peut l'augmenter jusqu'à plus 5, après faut des grandes titanites pour plus 15 et c'est vraiment drôle mais je vais vraiment y aller. Oh oui, en plus après avec les la poutre devant, oh ça c'est nickel, j'en avais besoin. J'ai tenté de dire oui, voilà, pour augmenter mon katana. Donc mon katana, oui, une fois augmenté, je pense qu'il fera beaucoup plus mal. Il fera beaucoup plus mal. J'aime pas ça, ça dit pas. Il fera beaucoup plus de dégâts que. Oh, oh, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Pourquoi faut-il qu'il y ait toujours ce genre de truc totalement débile? Non, oh, c'est pas non. Là, je pense qu'il fera beaucoup plus de dégâts que l'épée draconique. Ensuite, il faudra. Ben, je vais aussi farmer pour acheter le restant des sorts. Je crois qu'il me faut déjà. Non. D'accord, bon, il s'est suicidé. Bon, là, y'a rien. Ce que je crois qu'il me faudra. Bah déjà 50 000 minimum pour les 5 sorts restants, puis après j'irai aussi augmenter ma flamme de pyromancie, quitte à faire, puis peut-être aussi augmenter mon armure. Donc en gros j'irai un peu augmenter un peu tout, voilà, puis je vous montrerai pas la zone, enfin le moment où je vais fermer, parce que sinon ce serait un peu chiant. Hop, je pense qu'on arrive bientôt à la fin. Parce que là vous voyez c'est vraiment sombre et là où j'étais allé, enfin là où je me suis fait empoisonner pour sauter et je m'en mêle un petit peu. Là où je suis allé pour récupérer mon katana, c'était beaucoup plus éclairé. C'était une lumière bleue comme un peu quand on est rentré au début à droite. Donc je pense qu'elle va être une autre sortie. Ou alors l'entrée officielle, vu qu'on avait une clé. Et que je l'ai pas utilisé. Bon, allez, hop. C'est reparti.
prendre la combustion. Ça, je me mélange vraiment. Oui, reste là, j'ai dit. J'ai cru que je pouvais plus attaquer. Âme d'amour, vision perdue. On peut être brisé. Oh, cool! J'en avais déjà 7. Je dis ça au sort, mais oui, j'en ai pas mal. Bouclier en avant. Je me suis fait empoisonner. Je ne sais pas comment. Voilà, ça sera la dernière fois que je soufflais dans quelque chose. Merci bien, il y avait encore un petit guignol, je vais l'attendre, après j'irai descendre. Hop! Voilà, allez. Enfin, vous voyez, là c'est déjà beaucoup plus éclairé. Donc, Ah non. J'aime pas les persos, enfin les champions avec les lances. Je trouve que c'est trop chiant, déjà on peut pas les parer. Enfin, si on peut les parer, mais faut avoir le bon timing. Et c'est un peu chaud à trouver. Je trouve. On va éviter de mourir là. Ça serait bien. Oh, une humanité en plus. Ils sont gentils ceux-là. Âme noble chevalier. Non, on me dit pas que... Boulet! Allez, viens. Oh, mais je suis con! Pourquoi je m'embête? Ah, quand même. Ou, non. Hein? T'es gentil. J'aimerais bien ne pas tomber en ville. Par contre, ça farm bien, je suis déjà remonté à 13 000. Donc, ça, oh ouais, ouais, si, si, j'ai récupéré un peu plus de 10 000, hein, donc, ça vit quoi, qu'est-ce que tu fais, bon, voilà, ça, ça va le faire, bah, du coup, il n'y en a plus qu'un, donc, ça va simplifier la tâche, ah, non. Ça fait limite moins de dégâts que... Allez, hop. Voilà. Allez hop, on avance. Une échelle. Et ça va faire... Oh la vache! Oh la vache, ça va faire une heure. Oh, excusez-moi. Bon, bah là, au moins j'aurais pris le temps de finir la zone. Oh, purée. Donc voilà, bah c'était. C'est simple. Vous battez un boss, vous gagnez une clé. Il y a une porte juste à côté. Essayez d'ouvrir la porte. Hein, on sait jamais. Bah, du coup, ouais. Je vais devoir me retaper tout chemin. Parce que. Bon, ça je ferai hors vidéo, parce que sinon ça va vraiment prendre trop de temps. Donc voilà, je vais juste revenir au fait qu'on était au milieu. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le voulez, et à vous abonner si vous avez envie. Et on se retrouve la prochaine fois avec tous les sorts du Pyrrhon Ancien, quasiment je pense. La flamme du Pyrrhon Ancien super augmentée, un katana magnifique, et pour la forteresse. Allez, à plus tout le monde.